Salut à tous, très cher public de l'Obscur Clan, ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas retrouvé. Pour ceux qui doivent se demander qui est ce mec qui est en train de me parler actuellement, et bah tout simplement je suis Clémy, nouveau commentateur de l'Obscur Clan. Enfin j'étais un ancien commentateur, mais je fais mon petit retour vu que l'Obscur Clan a fait son retour. Je me suis dit pourquoi pas revenir en force justement sur la chaîne, sachant que c'est une chaîne que j'aime particulièrement car tout simplement j'ai réalisé énormément de commentaires sur cette chaîne. Du coup ça me fait plaisir de vous présenter un gameplay ainsi qu'un sujet assez inédit aujourd'hui les amis, que je vais tout de suite vous parler. C'est un sujet qui n'a jamais été fait pour l'instant et qui va pas mal vous faire plaisir je pense. Avant toute chose je tenais à faire une petite dédicace à Noname justement qui nous a permis de réaliser cette vidéo, et je vais tout de suite vous présenter également le gameplay car voilà quand même on va présenter le gameplay, même si je pense que c'est pas le truc principal de cette vidéo parce que je pense que vous l'avez marqué au titre, il y a quelque chose de plus intéressant. Donc il y a le joueur Izziek qui nous a tout simplement réalisé un petit gameplay Alicerin en MME, donc voilà un beau petit gameplay qui fait plaisir. Aujourd'hui je vous donne un petit objectif de 100 likes, vous allez voir que c'est pas grand chose par rapport à justement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une variante d'arme cachée appelée Gloire Aveuglante qui se débloque justement au palier 200. Donc je tiens également à préciser qu'on l'a pas débloqué, on l'a juste dupliqué et on est les seuls à l'avoir pour l'instant. Et donc c'est pour ça que je vous donne un petit objectif car voilà c'est quand même quelque chose d'assez inédit. Donc un petit 100 likes pour justement vous donner l'astuce de duplication les amis. Donc voilà juste 100 likes pour avoir tous les autres camouflages, c'est à dire on va vous donner une astuce de duplication qui va vous permettre d'avoir le camouflage diamant, Black Mater ainsi que tous les autres camouflages que vous désiriez tout simplement, ainsi que des variantes d'armes. Donc c'est pour ça que je vous donne ce petit objectif. C'est pas grand chose par rapport à tout ce que vous pouvez avoir. Donc je compte sur vous les amis. Donc pour justement vous permettre d'avoir les camos comme le diamant, Black Mater et tout plein d'autres camos, voilà c'est une sorte de duplication qui va vous permettre d'avoir tout ça. Et là ce camouflage justement de appeler Gloire Aveuglante a une particularité, c'est qu'elle ne change pas de couleur en série comparé aux autres camos comme le diamant et le Dark Mater qui eux vont tout simplement changer. Celle-là va garder justement son camouflage d'origine même si vous êtes en série ou quoi que ce soit. Et cette variante d'arme a également un camouflage qui sera animé, et voilà c'est ça qui est assez sympa. Enfin voilà les amis, c'est quelque chose d'assez inédit aujourd'hui qu'on vous propose. Donc voilà comme d'habitude un petit objectif pour vous permettre d'avoir la petite astuce qui va vous permettre de débloquer tout ça, tous les petits camouflages ainsi que les variantes d'armes. C'est une petite solution assez simple qu'on va vous présenter justement dans une prochaine vidéo si vous atteignez l'objectif demandé des 100 likes. Donc voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, je compte sur vous pour donner un maximum de force et également me dire voilà si ça vous fait plaisir un petit retour de Clémy sur la Obscur Clan, même si je pense que vous en foutez complètement. Bref, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, petit objectif vous le connaissez. Bref, sur ce, c'était Clémy, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et salut tout le monde.